Salut, c'est Christo du Game. J'espère que tu vas apprécier cette vidéo. Si tu veux me soutenir, like, partage, commente. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Et puis voilà. Allez, bonne vidéo à toi. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la 16e vidéo de Stoners. Ça fait 16 épisodes que je fais Stoners. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que 16 c'est pas trop? Est-ce que 16 c'est doux? Est-ce que je peux en faire d'autres? Est-ce que vous voulez que je continue à faire des épisodes? En tout cas, moi je continue à jouer à Stoners et je vous en fais profiter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'événements puisqu'on a la construction de mon mur d'entrée, ma maison, pas la maison en plus. Et voilà tout ce qui va se passer en ce moment. Donc toutes ces constructions vont être lancées. En même temps, donc voilà, l'avancée, alors j'ai, comme vous l'avez vu, coupé les arbres qu'il y avait ici, enlevé le mur que j'avais fait ici, et j'ai fait mon mur principal ici, donc j'ai gagné tout ça comme place, voilà pourquoi je suis content. Donc, je pourrais faire mon village tout autour de cette forêt, hein, de ce lac, mais j'avais pas besoin. Donc voilà, pour agrandir, parce qu'en fait je suis un peu exigu ici, je trouve que je suis un peu à l'étroit, et donc j'aimerais bien agrandir un peu ma superficie, donc je vais essayer, parce que je vais pas m'avancer sur l'eau. Hein. Je pourrais m'avancer sur l'eau, mais ça ne servira à rien. Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai commencé la construction, mais là ils ont arrêté la construction du coup. Donc voilà ce qui se passe. Donc ça sera un grand mur avec deux escaliers, comme vous pouvez le voir. Un escalier ici et un escalier ici pour sortir. Avec ici, j'y mettrai un mur avec une porte, comme j'ai fait ici. Donc voilà. Et j'ai pu acheter quelques objets de décoration qui peuvent être pas mal. Bon, ce sera pas forcément pour ici, hein. Et pour d'autres lieux, pourquoi pas. Je me suis dit, j'ai vu ça en vente, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut être joli à placer sur certains endroits. Donc voilà. On se met ça, on se fait ça. Donc voilà, tout le monde est motivé, à bloc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. J'en ai du courage et de l'énergie à tout le monde, là les arbres ne poussent pas. Attends, ah, ça y est, ils attaquent par ici. À l'attaque, il y a des ennemis en pleine face. Et lui qui va se faire tuer. Évidemment. En plus, ça se garde au même moment. On va venir à la rescousse. Mais c'est ça que j'aime pas, voilà, vous voyez. Ils sont tous au fond là-bas. Ils sont tous au fond là-bas, je comprends pas pourquoi. Bon, peu importe, mais bon. Oh, mais il a pris cher, lui. Il a pris cher, lui. C'est ça que j'aime pas. Non, je suis d'accord. Ok. On va lui mettre un, en tout cas. J'ai encore une potion de dégâts. Alors c'est vraiment le cafouillage de dalle. Oui, il y a beaucoup de dégâts par ici. Il faut que je regarde si mon clair a évolué. Enfin, mon herbaliste a évolué. Il est niveau 2. Il peut changer de métier. Oui, il peut passer. Magnifique. Donc voilà. Je vais faire passer un nouveau herbaliste, parce qu'il y a un nouveau clair, parce que j'en ai pas assez. Vous voyez, un, et ça suffit pas. Hein. Il m'en faut deux, voire trois. Là, j'attends que qu'il arrive pour me soutenir, mais pour l'instant, ça va pas être bien. Alors, lui, il vient de là-haut, mais ça me perd pas là-haut. C'est un bas qui est intéressant. Lui, il soigne en même temps, donc ça aide pas. Donc on peut lui faire des dégâts en soi. En plus ils sont pas mal de vie, hein, comme vous pouvez le voir, 1200. Là. C'est pas mal à 1200 de vie. Lui ils sont à 400. Donc voilà, poisson bleu. C'est bon. Ils sont occupés de son cas. En plus ils ont faim, donc ça aide pas. Chaque fois ils ont faim, tu vois pourquoi ils ont plus de faim. Je sais pas si c'est normal ou c'est parce que c'est un petit bug ou quoi. Mais ils ont toujours faim. Ils sont pleins dessus.
Et à cause des deux soignants là, ils restent en vie. Hein. Ils arrivent à lui faire rester en vie il y a énormément de temps. Mais bon. Les soldats sont plus puissants. Et j'espère que mon frère va pouvoir évoluer. Mon deuxième. Voilà, quand je parle du loup, le loup apparaît. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez au fait du cimetière. Moi je trouve ça pas mal. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Ok. Donc ils pourront manger tranquillement. Ah la pédale, j'avais déjà fait ici. Donc après une deuxième taverne. Donc j'aurai une deuxième taverne. C'est pas un problème. Je vais me lancer aussi dans la construction d'une maison. Voilà. Hop, je vais essayer de que tout le monde ait sa maison en fait. Pour pouvoir se loger. Chacun. Ici. Voilà. On fait pas mal de construction en même temps, j'espère que ça va pas bugger et qu'il n'y aura pas de difficultés. Je vais faire la deuxième maison d'un côté. Ça ressemble exactement à la même chose, sauf que c'est pas la même maison. Celle-ci c'est la créer une île, celle-ci c'est. Donc voilà. Voilà. Parce que j'ai fait celle-ci. Il y a celle-ci. Et il y a la table. J'ai fait la taverne. J'essaie de faire tous les exemplaires, voir si ça change quelque chose. Cornet House, c'est la maison de côté, je crois. Ouais, ça, j'ai déjà fait, déjà. Je vais voir ce que. Ah, parce qu'il faut après, putain, je relis tout ça dans les maisons. Avec la route. Là, j'en aurai du boulot. Là, il y en aura du. Pour tout le village, il y aura du boulot. Mais je peux pas construire parce que j'ai évidemment le coin de chasse. Ah, je vais faire une maison de bâtiment. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit village là d'un coup qui va se construire? Tout en même temps évidemment. Ouais, c'est validé, ok, c'est gardé. Hop, c'est parti. Donc il y aura. Pas mal de construction, cette maison, cette maison, cette maison, cette maison en construction et le mur. On va voir où c'en est. Parce que vous allez voir que j'avancerai pas très vite. Ouais. Normalement, j'ai. Ah, ils ont mis les échelles ici. Normalement, j'ai pas mal de. Comment dirais-je. De métiers en double tri, donc ça devrait aller vite, mais c'est jamais. Donc, à toi. À l'attaque. Que je risque d'avoir des morts bêtement. De toute façon, à chaque fois que je fais un truc près du mur, ça aide pas. Donc là, ils ont pas mal avancé quand même, ils ont fait les premiers par la partie. Normalement, je crois que je peux. Edit partie. C'est quoi une partie? Non, je peux pas choisir un endroit où. Non, c'est pas ça. Non. Je croyais que je pouvais mettre un endroit où ils iraient en ronde à chaque fois, mais en fait, non. J'ai pas l'impression de ça. Ça vient, ça repart. Enfin, en tout cas, ça. Ça veut ce qu'on voit. Il est disparu, c'est déjà un mois. Au mieux, si c'est un moment, mais la ressource sera récupérée assez loin. Ici. Hop là, voilà. Ça, tout ça de moi. En plus, c'est un poteur, donc je veux pas de poterie, donc ça va. Et hop. On s'en va. Donc le clair, lui, il a évolué.
Je suis toujours en hiver, hein. Franchement, c'est long l'hiver. Il est très très long l'hiver. Je l'attends avec impatience la fin de l'hiver, c'est dans 2 jours. Ah, dans 2 jours, c'est bientôt. Donc voilà. Voilà, on a bien avancé. Les maisons vont se construire petit à petit. On se retrouve pour le prochain épisode. Non, je rigole. Tout de suite encore. Je sais pas combien de temps ça fait, hein. J'espère que ça fait pas trop long pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si c'est trop long pour vous ou pas. Puisque le but c'est que vous puissiez regarder aussi les vidéos jusqu'au bout. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vos ressentis. Hop. On a tué bien avec son village. Là. Voilà, on a level 5. Il y a des loups ici. Il y a des gens ici. Alors qu'est-ce que j'ai là? Je peux avoir un personnage en plus? Non, pas encore. Ok, pas grave. Alors, là j'ai quoi? J'ai des barrières, donc ça ne sert un peu à rien. Ouais, j'ai pas vraiment des loups, donc voilà. Je suis plus ou moins tranquille. Ok. Là j'ai des ennemis que je suis en train d'égratigner. Ah, j'ai des ennemis ici là-haut. Oh, les ennemis, il y en a là-haut. Mais bon, ah. Là je tue ces ennemis là tranquillement. Pour être tranquille parce que là j'en avais trop. Ils viennent tout le temps. Donc moi aussi. Là ils veulent faire une invasion. Là. Les schnobles, les chiens. C'est ça. Moi pour l'instant j'ai l'impression que la quête n'avance pas, la quête principale. Je devais faire quelque chose mais je ne sais pas du tout. Je suis un peu perdu là, actuellement. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Et puis là ils ne mettent pas de conditions donc je me pose des questions. Il n'y a pas vraiment de grands ennemis là qui viennent. Donc pour l'instant, on agrandit patiemment notre village. Jusqu'à temps qu'il y ait un heureux événement qui arrive. Parce que là, je sais pas du tout ce qu'il faut. Je peux poser un truc ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai des coffres aussi. Qu'est-ce que des coffres enfin, les coffres que j'ai fabriqués. C'est possible. Peut-être pour les maisons. Et je vais rien toucher, parce que c'est peut-être pour les maisons, donc je préfère ne pas toucher. Je vais pas me retrouver surpris après de me dire ah bah il manque ça, ah bah il manque ça. Comme j'ai pas mal de pierres en plus, ça va utiliser toute la pierre, ce sera pas mal, ça va faire monter les lignes. Donc voilà, tout simplement. Faut pas les emails sans les constructions, ça fait monter de niveau, et ça fait monter de level. Donc voilà. Bon après les miens ils sont déjà à un bon level, donc ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié un bon épisode. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, pour la suite et la fin de ce mur. Ouais, tout cette entrée. Et c'est maison. Allez, tous, à la prochaine.